Pour le Panama et un ballon qui est mal dégagé par Cristi Noir et un ballon toujours dans les pieds de Panama, la frappe, quelle tentative de Nunez qui va finalement passer au-dessus des buts de Vermignon, mais c'est chaud pour la Martinique, 5 minutes de jeu, 1-0 pour le Panama. Et je pense qu'à la mi-temps, les joueurs de ont perdu ce ballon, les Panaméens, attention ce ballon, bien servi dans le dos des Martiniquais, c'est le but, le deuxième but pour les Panaméens, une défense martiniquaise assez statique, un ballon perdu dans notre jeu par Baudizon, me semble-t-il, et les Panaméens qui en font un bon usage, et le joueur en position de milieu qui trouve très facilement dans le dos de la défense un partenaire, et celui-ci n'a aucun mal à aller glisser le ballon entre les jambes d'Emmanuel Vermillon. Ça fait 2-0 pour la sélection du Panama après 17 minutes de jeu. Et un ballon.